Hello tout le monde, c'est Galar. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur le nouveau personnage d'Overwatch, Ekko. Parce que vous êtes beaucoup de monde me dire, ah, est-ce que ce nouveau perso, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien? Bah moi personnellement je vais vous le dire. Honnêtement, ce personnage il est vachement bien, je l'ai un peu testé tout à l'heure. Mais je vais vous dire honnêtement, ce personnage il est tellement bien que je vais vous le montrer. En direct, à quoi il ressemble ce nouveau personnage sur le PTR de... Ouais, c'est le PTR, c'est ça. Oui, le PTR d'Overwatch, les amis. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. On va aller au champ de tir sans plus tarder. Donc, c'est là. Non, c'est pas là. Où je me trompe, attends. Non, pas là. Attends, c'est déjà où déjà? Entraînement, voilà. Où j'ai la tête. Bon, on va aller là. On voit bien que ça fait un petit moment hein, que je suis pas parti au champ de tir. Donc les gars, on va aller choisir Ekko, le nouveau personnage. Donc on va aller cliquer dessus. Voilà, le nouveau personnage Ekko. Regardez. Regardez, déjà, l'attaque c'est comme ça. Vous voyez, on peut aussi faire ça. Vous voyez, ça c'est bien parce que ça en fait ça c'est un dégât de zone, vous voyez? Vraiment un dégât de zone, ça c'est vraiment bien. Tu vois, regarde. En fait, c'est avec ses trois doigts. Vous voyez, avec ses trois doigts, il fait son laser. Ce qui est bien, franchement, c'est son gameplay, tu vois. Regardez. Avec ses trois doigts, en fait, il attaque. Tu vois, regarde. Voilà, attends, on va attendre le robot hip-hop et je vais vous montrer un truc. Regarde, voilà, ça y est, regardez. Vous voyez, il y a une attaque de zone et ça, c'est vraiment pas mal, tu vois. Et après il y a le E. Le E c'est... Attends, je vais le refaire parce que je pense que vous l'avez mal vu. Attaque E. Attends, ça se recharge. Hop et... C'est vraiment pas mal. Ce personnage il est vraiment cheaté. Tiens, il y a Tracer. Maintenant on va essayer quelque chose qui peut vraiment vous plaire. On va mettre, allez, un perso tank. On va mettre... Allez, on va mettre Diva, tiens. On va mettre Diva. Voilà. Regardez. Son ulti, en fait, il duplique. Regarde, ça y est. Ça y est, je suis Diva, regardez. Vous voyez? Je peux dupliquer les personnages. Et même mettre l'ulti. Vous voyez? Et après c'est fini, après je redeviens normal, vous voyez? Ce qui est bien aussi, elle a un déplacement en façon un peu à la Moira, et ça c'est vraiment pas mal, vous voyez? Moi franchement, en gameplay j'adore, franchement j'adore trop le gameplay de Ekko. Regardez, hop et... Regardez. Tu te déplaces tous les 10 secondes de façon à la Moira. Moi je trouve c'est sympa quoi. En fait tu te déplaces un peu à la Moira et un petit peu à la Reaper. Regarde, hop. C'est comme Reaper, tu vois, regarde. Hop et... Vous voyez? C'est vraiment pas mal. J'adore. Franchement le nouveau perso, sur 20, je donnerais à peu près un 17 ou 18 sur 20. Parce que le perso quand même, il est pas mal en lui-même. Il est vraiment pas mal. Regardez. Est-ce qu'on peut dupliquer un robot? Attends, on va essayer ça. Ah non, on peut pas. Vous voyez? Attends, on va aller là-bas, on va essayer de dupliquer. On peut dupliquer. En fait, ce qui est bien, c'est que... Là, regarde, là, je peux dupliquer Diva. Ce personnage, il est trop cheaté. On va dupliquer, allez, une hache. On va voir, regardez. Regarde, duplication. Hop, ça y est, je suis hache. Vous voyez? Vous voyez? En fait, la duplication elle dure 15 secondes et après elle redevient elle-même quoi. C'est pas mal. Voilà. Bon bah, les amis, voilà, je vous ai montré à peu près le personnage à quoi elle ressemble. Franchement, elle est stylée, rien à dire. Ses doigts, c'est son arme. Il y a une attaque de zone et aussi, regardez ça.
Oh là là, il est badant le perso, il est vraiment badant. Mais je sens que c'est un perso qui vont le nerf bientôt, ça c'est sûr. Il est peut-être sorti, mais ils vont le nerf. Il est trop cheaté, regardez, il est trop cheaté. Voilà. Bon bah les amis, voilà, c'était juste pour vous montrer le nouveau personnage. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré à peu près le gameplay à quoi ça ressemblait. Honnêtement, ce perso, c'est un perso qui est bien, mais le problème c'est que il est trop cheaté pour ce que c'est. Quand je tape et tout, je trouve le gameplay il est facile à jouer. Mais le problème d'un gameplay facile à jouer, c'est qu'après les gens ils vont prendre tout le temps ce personnage pour jouer. Niveau dégâts, je trouve elle fait un petit peu moins de dégâts, mais le problème c'est que c'est répétitif. Je sais pas. Honnêtement, je trouve le perso il est bien, mais il manque un petit truc, mais je sais pas comment vous le dire. Je pense peut-être qu'il fait pas assez de dégâts. Ça, c'est mon avis. Mais sinon, le perso il est bien en lui-même, hein, Echo. Hein. Franchement, il est bien en lui-même. Mais franchement, Overwatch, si vous m'écoutez, honnêtement, faites des tanks ou faites des healers. Parce que faire tout le temps des DPS, et après il manque un équilibrage avec les personnages. Voilà, c'est surtout ça. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à d'autres pour de prochaines vidéos. Vous savez, le soir à 17h en live, Galar toujours là, toujours présent, ça vous le savez bien. Bon bah voilà, je vous laisse. C'était juste pour vous montrer le nouveau personnage d'Overwatch. Ne vous inquiétez pas les amis, je vais faire des lives Overwatch les amis. Donc soyez là, soyez présents. Et sur ce, Galar toujours là, toujours présent. Bye bye.